C'est pas rémunérateur cet engagement-là. La motivation essentielle, c'est de dire en tant qu'habitant, si on veut, on peut. L'engagement aujourd'hui est quelque chose qui est absolument indispensable pour tout un chacun pour pouvoir faire quelque chose. Nous travaillons sur les questions d'environnement, d'écologie et principalement orientées sur les questions de changement climatique. L'idéologie, elle est dans le dialogue. Dialoguer d'abord, avant de sortir la banderole. Les projets qui peuvent être soutenus par le biais des budgets participatifs permettent à tout un chacun de participer, de donner un point de vue. Le projet s'appelle l'Odyssée des déchets, mais on l'écrit l'Odyssée, non pas OD comme Homer l'avait écrit. Tout simplement parce que notre projet consiste à remonter le fleuve Aude pour voir, enquêter sur quelle est la contribution du fleuve Aude dans l'apport de déchets plastiques dans la Méditerranée. Bon an, mal an, le but du jeu, c'est de remonter ce fleuve Aude. Peut-être jusqu'au Mont Carlit, on verra, pour montrer qu'effectivement, c'est pas parce qu'on habite à plusieurs dizaines de kilomètres de la mer que les déchets plastiques ne peuvent pas parvenir dans la Méditerranée. Là, en l'occurrence, on va faire un web documentaire. Ce documentaire qui filmera les interviews, les rencontres par le biais d'Agora avec différents acteurs, sera diffusé après dans diverses salles et par le biais d'Internet, des plateformes que l'on va créer à cet effet. Les déchets qui parviennent en Méditerranée, ce n'est pas le hasard qui les y apporte. La Méditerranée est une des plus polluées de la planète, en fait, en termes de surface maritime. Une bonne partie des déchets qui arrivent en Méditerranée proviennent des fleuves. Le plastique, il finit par se dégrader de manière très microscopique. Si on ne veut pas qu'ils y parviennent, il faut éviter tout simplement qu'ils y aillent. Pour voter, il faut aller sur le site de la région, donc Occitanie, sur le budget participatif. Et si possible, voter pour l'Odyssée des déchets.